Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors le cadrage c'est toujours pas ça, le bordel je vais vous expliquer pourquoi, mais bon bref ça fera l'affaire. Donc ça va, c'est pas trop noir, c'est pas trop sombre heureusement, parce qu'aujourd'hui il a fait un temps pourri toute la journée. Je voulais filmer tout à l'heure, enfin bref c'était compliqué avec la luminosité, là ça va, il y a la lumière, il y a le petit peu la lumière du jour, je pense que ça fera l'affaire. Donc bref, aujourd'hui nous nous retrouvons qu'entre nous, hein, vous et moi, je suis toute seule, il n'y a pas Juju. Elle est déjà en vacances, moi ça y est je suis en vacances depuis hier mais je suis encore à la maison, voilà. Donc je me suis dit allez, même s'il n'y a pas Juju, tant pis, je vais tourner une vidéo parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo face caméra comme ça. On fait essentiellement des vlogs mais là je me suis dit allez, pourquoi pas, c'est l'occasion. Je suis désolée, je vais toucher mes cheveux tout le temps, comme d'habitude. Je pense que c'est un tic qui ne partira pas d'aussitôt, hein, à moins de faire des vidéos avec les mains accrochées, enfin bref. Donc on se retrouve pour une vidéo haul solde d'été. Alors à la base, enfin les soldes, j'étais pas hyper motivée. Enfin il y a des années où je me dis ouais trop cool, c'est les soldes, allez machin. Enfin ça me stresse quand même que mon visage soit coupé. Enfin bref, c'est pas grave. Donc oui, il y a des années où je me dis ouais vas-y, c'est les soldes, je fais un truc de ouf, des affaires machin et tout. Et cette année, bon j'étais pas plus motivée que ça. Mais j'ai quand même trouvé pas mal de choses, plus que je ne l'aurais imaginé. Vu qu'à la base je pensais rien acheter ou alors acheter 2-3 pièces. Mais voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai acheté. Juste avant, je vais faire une petite parenthèse, un petit conseil, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Mais pour parler des vêtements en général, moi ça doit faire bien 4-5 ans, ouais allez, voilà à peu près, que je n'achète des habits et chaussures aussi exclusivement en vente privée ou en période de solde. Voilà, vous ne me verrez jamais ou presque jamais acheter des produits hors ces périodes-là. À part, les seules choses que j'achète hors solde, on va dire que c'est les jeans, voilà. C'est vrai que souvent les jeans, je les achète un peu quand vraiment j'en ai besoin dans l'année, voilà. Si dans l'année j'ai grave besoin de jeans, bah je vais pas attendre forcément les soldes ou quoi, je vais aller en acheter. Plus souvent les jeans qui me plaisent, ne sont pas soldés. C'est vrai que les jeans, j'aime bien les prendre chez Zara et les beaux jeans chez Zara sont rarement soldés. Mais bon, ça reste avec des prix quand même corrects, souvent 30-40 euros. C'est relativement correct, sauf que les jeans sont pas mal, ils sont bien coupés, bonne matière, enfin je les kiffe. Donc voilà. Mais sinon voilà, tous les autres produits je n'achète que pendant cette période là. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les marques et les marques ça coûte cher. Donc si on peut les avoir moins cher, et ben pourquoi pas en profiter. Alors on va commencer par mon tout dernier achat que j'ai acheté, mes derniers achats que j'ai acheté mercredi. Donc j'ai un peu craqué mon slip, je l'avoue, je sais pas ce qui se passe dans ma tête parfois, enfin, je sais pas, enfin bref, j'ai déraillé. Je suis allée acheter des paires de lunettes. Donc tout n'est pas pour moi, hein. La vraie, si je fais des choses cheloues avec mes yeux, c'est que je remets des lentilles là depuis peu et... j'ai beau avoir, enfin j'ai fait je sais pas combien d'essais, 3, 4 de plusieurs marques différentes, la lentille est tournée, enfin bref, plein de n'importe quoi. Et même là encore, bon j'ai validé celle-ci mais je suis pas encore hyper satisfaite. Donc bref, j'ai crié comme une poissonnière, bref désolée. Je suis allée acheter des lunettes. Alors à la base je devais aller acheter une paire pour mon chéri parce que hier c'est son anniversaire. Donc j'avais dit vas-y je lui prendrai une paire de lunettes parce qu'il en fallait. Et donc je suis allée lui acheter une paire de lunettes. Alors c'est lesquelles? Non ça c'est pas celle-ci. Voilà, donc je suis allée lui acheter une paire de lunettes de soleil Ray-Ban. Donc comme ceci. Je vais les mettre. Hop. Touloum. Donc Ray-Ban hein, c'est mixte hein, ça va aussi bien sur les filles que sur les garçons. Donc j'ai pris cette paire pour mon chéri. Voilà, je voulais lui prendre une petite paire sympa pour les vacances. Donc voilà, donc j'ai pris celle-ci et après en étant au magasin je me suis dit ah mais attends maman la pauvre, je crois que ces lunettes de soleil qu'elle a actuellement elles sont chiantes parce qu'elles se dérèglent souvent, elles sont toujours trop grandes. Donc j'ai dit ah bah attends je vais lui prendre une paire. Après sur ma mère c'est pas facile, enfin j'arrive pas à lui acheter des lunettes comme ça voilà. Et enfin il y a des modèles voilà, j'osais pas tenter mais j'ai trouvé un petit modèle sympa parce que j'étais
une monture, je me dis vas-y, ça va forcément y aller, c'est un peu le style qu'elle a déjà, donc j'étais sûre de pas faire de bêtises, donc je lui ai pris celle-ci. Voilà, franchement je les kiffe trop. Je les aurais trop aimées pour moi, mais je lui ai dit non, bah, allez, on les prend pour maman, comme ça elle sera contente. Et comme je les rejoins bientôt, j'ai dit bah, je lui ramènerai ça. Donc une petite paire comme ceci. Et après je suis partie. Voilà, chez l'opticien. J'ai dit vas-y c'est bon, j'ai acheté le cadeau à bébé, cadeau à maman. Vas-y c'est bon, on y va. Et après donc je marche quelques pas. Et là je me dis attends, je sais que ma soeur, Juju, hein. J'ai ma soeur comme si vous la connaissez pas, mais vous la connaissez grave en fait. Je me suis dit vas-y, ses lunettes, vas-y, elle en voulait d'autres, je savais. Enfin bref, j'ai culpabilisé, je me suis dit vas-y la pauvre, je vais aller lui acheter une paire à elle aussi. Grave gentille, hein, comme sœur. Donc, j'y retourne et je trouve ce modèle-là. Parce qu'elle en voulait un peu des comme moi, j'avais, enfin, j'ai acheté récemment. Mais finalement, bon, je sais pas, je suis partie sur autre chose. Donc, j'ai pris celle-ci. Donc, un peu comme mon chéri, ça fait penser un peu au, voilà, au même style. Sauf que là, y a, c'est un peu plus en pointe ici, c'est beaucoup plus féminin. Donc, voilà, celle que j'ai prise à Juju. Et je me suis dit, bon, vas-y, les trois, ils ont leur paire de lunettes. Après je dis bon papa lui non il a pas besoin parce qu'il a une belle paire de Ray-Ban qui est pas trop, enfin qui est assez récente. Donc il en a pas besoin. Et moi je me suis dit, enfin non je me suis rien dit au début non. C'est que je regardais encore à droite à gauche et là je tombe sur une paire. Mais genre magnifique, je les ai kiffé grave et je me suis dit oh punaise. Et j'ai à la vente deux, je crois que je peux les essayer juste comme ça. Sauf que bah c'était pas juste comme ça non parce qu'au final je les ai achetés donc les voici. Elles sont un peu grandes, non? Je vois. Donc voici mes lunettes de soleil que je me suis achetées aussi. Elles sont rondes. C'est vrai que j'ai pas trop de rondes. Enfin bref, j'adore. En fait, c'est le vert qui m'a tapé à l'œil. Dans la vitrine, j'ai fait waouh. Genre, elles m'ont éblouie. Donc je les ai essayées. J'ai dit, allez, vas-y, tu sais quoi? Hein, jamais 304. Hein, on fait la ouf. Vas-y que... Voilà, j'ai dit non. Bref, je... Bon bref, je voulais une paire, quoi. C'est tout. Il n'y a pas d'excuse. J'ai fait la con, hein. Je me suis enflammée, c'est pas grave. Ensuite, donc, vraiment, on va passer aux habits. Chez Zara, j'ai trouvé... Bon, déjà, le chemisier que j'ai, donc un chemisier noir, basique, il est un peu court, voilà. Ensuite, j'avais acheté... Oh là, je fais n'importe quoi, on dirait un torchon, là, un chiffon. Un petit chemisier, pareil, noir. Et en fait, il a accroché un petit haut... Un petit haut comme ceci là, avec un peu de dentelle au niveau du décolleté. Enfin, voilà, c'est un petit chemisier. Voilà, il est pas ouf, mais c'est sympa. Il valait, je me souviens, 10 euros. Donc j'ai dit, allez, vas-y, ça fera toujours un petit haut en plus. Donc voilà, on n'a jamais assez de haut noir. Jamais assez de chemisier. Voilà, quand on a la flemme de s'habiller, on sait pas quoi mettre. Boum, boum, tac, un chemisier, un jean et en avant. Ensuite, donc ça. Et c'est tout chez Zara? Ouais, je crois que c'est tout. Et ça, j'avais acheté ce petit haut, vous l'avez déjà montré l'autre fois dans un vlog avec Juju, donc un petit haut simple, mais c'est sympa, c'est clair pour l'été, c'est top. Donc voilà, ça, on s'en fout, on abrège, parce que je suis en train de parler, je vois le temps là, c'est déjà 13 minutes. Enfin bon, le haut, je pense qu'il va être assez long, mais tant pis, hein, son... voilà. Ensuite, je vous montre. Alors, on a un magasin au bal de robe qui s'appelle Lola Jones, donc on vous a déjà montré la robe que je vais vous présenter dans un des vlogs. Et j'y suis retournée une deuxième fois et j'ai trouvé un petit chemisier très sympa, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, la robe, donc vous la connaissez normalement si vous avez vu l'un de nos derniers vlogs. Donc c'est une robe que j'ai achetée, donc, comme je disais, chez Lola Jones. Mais la marque, c'est Opulence. En fait, le magasin Lola Jones fait plusieurs marques, et dont Opulence. Donc la robe, les petites manches, voilà, mais on vous l'avait montré. Hein. Donc voilà, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais bon, c'est une robe qui est sympa. Pour l'été, pour la playa, les soirées en plage et tout, trop canon. Donc voilà, petit chemisier. Donc je sais pas après ça rendra, bien sûr que bon, les habits vont forcément moins rendre en caméra comme ça que porter. Mais c'est pour que vous ayez un petit aperçu. Donc les petites manches comme ceci, que l'on retrouve un petit peu là et un petit peu là. La dentelle, très sympa. Donc chemisier blanc, basique. Et voilà. Donc la robe, je me souviens plus de son prix. Je crois. Bon, c'était pas donné, je crois, mais je sais plus. Je vais pas inventer.
Et lui, je crois que je l'ai payé 40aine d'euros, mais il était aussi soldé. Voilà, donc je n'ai acheté bien sûr que des soldes. Hein. Quand je dis que j'achète qu'en période de solde ou vente privée, c'est forcément pour acheter des produits qui sont tous soldés. Voilà, ça c'est mon... C'est le mot d'ordre que j'ai, c'est tu n'achètes que des choses où il y a des étiquettes. Voilà, et si possible, à partir de moins 50 et tout, c'est encore mieux. Mais bon, je crois que ouais, à partir de moins 40, ça va, je me dis vas-y, allez. Mais voilà, tout est soldé, hein. Tout ce que je vous montre, c'est des produits qui sont en solde. Ensuite, alors je me baladais une fois dans le Val d'Europe et je me suis arrêtée chez Oysho parce que je sais que maman et Juju avaient trouvé des trucs sympas en début de solde et moi j'ai dit vas-y, je vais faire un tour. Cas où si je trouve des trucs pour cet été, voilà. Mais bah, du coup, j'ai rien trouvé pour cet été parce que c'était un peu à la fin et tout, il n'y avait pas grand chose, mais j'ai trouvé une doudoune. Une doudoune que j'avais repérée en rose cet hiver. Mais bon, je m'étais dit, vas-y, je venais d'acheter doudoune rose en plus juste avant. Et je dis, non, bon, bref, on va pas forcer. Hein, de doudoune rose, ça sert à rien. Donc j'avais laissé tomber. Et là, je l'ai vue en bleu nuit, comme ça. Donc c'est une doudoune qui est assez fine. Il y a une capuche, donc j'adore. Et elle est très sympa. Enfin voilà, pour la demi-saison, vers octobre, novembre, quand il fait un petit peu frais, mais pas encore glacial. La portée, elle est top. En plus, elle est pas trop longue. J'aime bien, elle s'arrête. Elle s'arrête bien là où il faut parce que oui, c'est vrai que j'avais, comme je suis petite, les affaires que j'achète ont tendance un peu à être trop grandes en taille quoi. Et du coup c'est vrai qu'à chaque fois j'ai des hauts qui tombent en dessous les fesses ou au milieu des fesses. Enfin c'est jamais bien taillé en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu stoulant. Donc là je me suis quand même dit essaye Malo de te diriger que vers des articles aussi qui s'arrêtent bien au niveau du jean quoi et qui sont pas trop bas machin. Et là avec cette doudoune c'est toi parce que elle taille super bien aussi, j'ai pas le truc qui pend là jusqu'en bas quoi. Donc voilà, c'est top, je suis contente parce que des doudounes fines j'en ai qu'une que j'ai acheté chez KKS il y a 2 ans je crois, mais je peux pas la fermer et il n'y a pas de capuche donc c'est un peu relou quand il pleut. C'est parfois vous savez il fait pas froid mais il pleut donc t'as envie d'avoir une petite capuche quand même. Donc bref, et là du coup donc la doudoune pour aller, faut que j'aille vite hein, parce que je parle trop. Donc elle était à 59,99€ et je l'ai payée 17,99€. Donc franchement, autant dire que c'est un cadeau. Hein. Là, c'est des affaires. Là, on adore, on kiffe. Ensuite, avec mon chéri, on est allé chez Ralph Lauren, donc à la Vallée Shopping. Donc faut savoir que la Vallée Shopping, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est à côté du Val d'Europe, dans le 77, en Seine-et-Marne. Et donc c'est des magasins qui sont... donc c'est des outlets... Je sais pas si je fais trop l'américaine là, j'aime pas parler anglais, bref, n'importe quoi. Donc bref, c'est des collections des années précédentes, donc je crois que c'est 1 ou 2 ans maxi. Et donc il n'y a que des marques, mais voilà, c'est des collections des années précédentes, donc moins chères. Mais ils font quand même des soldes aussi, donc là, c'est grave avantageux. Voilà. Donc on est allé chez Ralph Lauren, donc on devait aller juste pour mon chéri à la base. Et donc on y va. On lui trouve 2 chemises, tout ça, que je vais vous montrer. On va en caisse et là, le vendeur nous dit « Ah mais écoutez, si vous rajoutez un article, vous avez en plus moins 25% sur tout en plus. » Donc ouais, j'avoue, c'est tentant, tout ça. Donc à la base, on partait vraiment pas pour m'acheter des choses à moi. Hein. Et là, bah, près de la caisse, il y avait des petits caleçons. Donc j'ai dit à mon copain « Mais tu veux pas prendre des caleçons ? Comme ça fait le 3e article. » Ça coûte je sais pas combien, peut-être 40 euros quoi. Donc voilà, ça va, au moins on rajoute pas un truc. Voilà, vous avez compris quoi. Donc, et mon copain me dit maintenant vas-y, Malo, prends-toi un truc pour toi et tout. Déjà mes chemises, machin. Je fais bon, vas-y, ok. Hein. Je me suis pas fait trop prier pour non plus, hein, faut avouer. Donc on va rayon femme et là je tombe sur les pulls basiques en laine, la Ralph Lauren. Donc je le vois en bleu d'abord, je vois bleu pas mal et tout. Et puis ah, tiens, il est en rose. Donc je dis bah vas-y, je vais essayer les deux. Donc j'essaye les deux, donc j'essaye le bleu, waouh, le rose, waouh. Donc j'ai kiffé les deux, on a kiffé les deux, parce que mon copain pareil il n'arrivait pas à se décider, donc je dis oh punaise, il peut pas m'aider là, comment on fait. Donc on sort de la cabine, je dis bon bah vas-y, tu sais quoi, je prends les deux, tant pis quoi. Et là on sort et je vois le même en blanc, parce qu'il n'était pas au même endroit, et je me dis oh punaise, en blanc il est pas mal aussi. Donc j'allais vas-y, pareil, moment de folie, moment d'égarement, je prends les trois. Donc voilà, pour un article, je me suis retrouvée à avoir 3 trucs, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc voici la première chemise pour mon bébé. Donc c'est une chemise, alors là pareil, je sais pas, enfin franchement, je montre comme une débilos, j'ai l'impression c'est n'importe quoi là, c'est un haul, il va falloir qu'on s'améliore, hein, parce que là, ça va pas du tout.
Donc bref, donc c'est une chemise comme ceci, donc grise, avec des petites... Ouais, grise, allez, non, bref. Et avec le logo bleu marine. Et franchement, elle est hyper belle. Enfin, elle est bien cintrée. Donc, ouais, c'est chiant. Dommage qu'on n'essaye pas en même temps pour vous montrer. Mais après, c'est vrai que... Voilà, le premier haul, hein, vous m'excuserez. Hein, ce sera un peu voilà, un haul comme ci, comme ça. Mais au moins, je vous montre vite fait les produits. Après... J'essaierai de trouver les liens de tout pour les mettre en barre d'infos, vous aurez un meilleur visuel. Donc voilà, donc la chemise, ah bah c'est cool, j'ai le prix. Donc elle était 110 €, prix normal, prix la vallée 80 et nous on l'a payé 45 €. Donc ça vaut le coup, une chemise rafloreille, pas mal. Ensuite la deuxième chemise, là franchement j'ai craqué grave quand il l'a mise en plus, oh là là. Donc c'est une bleue, un bleu mais que j'adore. Avec le logo rose, franchement, j'ai pas de mots. Après, peut-être que comme ça, vous dites, ouais, c'est une chemise bleue, vas-y, la meuf, elle en peut plus devant une chemise bleue. Mais franchement, portée, bah, mon copain, comme vous l'avez déjà vu, c'est un Renoir. Et franchement, les Renoirs, quand ils mettent de la couleur, c'est juste trop magnifique. Franchement, autant sur moi, je déteste la couleur, je m'aime qu'en noir, ou alors... bon, là, ça va, j'ai quand même acheté de la couleur... Là, mais c'est très rare en fait, c'est les premiers... Enfin non, c'est pas les premiers, j'abuse, mais la plupart du temps quand je reviens de boutique, j'achète la plupart de mes pièces en noir. Parce que je trouve que c'est ce qui me va mieux au teint, mais sur des blacks, honnêtement, les couleurs c'est juste trop beau. Donc là, quand il l'a mise, j'ai dit non mais magnifique, magnifique, donc voilà. Donc elle, je vois qu'elle était plus chère. Hein. Donc à la base... Ah non, mais choquée, mais c'est pas cher. Elle est à 99, 119 normalement, 79 prix la vallée et on l'a payé 39,99 €. Non mais franchement ça vaut trop le coup, franchement ça vaut vraiment le coup. Et ensuite donc je vous montre mes pulls. Donc pareil en plus les pulls ils tombent super bien, juste pile à la ligne du jean, enfin on adore. Donc voici le premier, donc le rose, donc tac tac tac. Donc après c'est les plus basiques, alors aussi voilà j'ai pris en col V. C'est vrai que tout ce qui, enfin comme j'ai une grosse tête, un petit cou, ça me va pas les hauts, les cols ronds et tout, non, donc il faut toujours que j'ai le cou dégagé. Donc c'est très bien, le col V c'est top. Donc le petit Raflorène que voici en blanc, franchement je kiffe de ouf, franchement c'est trop bien, je suis trop contente. Et eux par contre, alors selon la couleur c'était pas le même prix. Je crois que le plus cher c'était le rose et le bleu. Le blanc moins cher, mais bon, ça restait quand même le pull. Je crois qu'il y en a un que j'ai payé 55, l'autre peut-être 40, je sais pas. Bref, il reste pas moins de 40 € le pull quand même. Hein. Mais ou 45, ouais, bref, je sais plus. Mais et un 60, donc bon, entre 45 et 60 € le pull. Donc le bleu, je l'adore. Vraiment, c'est un bleu, mais trop beau avec le logo blanc pareil. Et non mais franchement j'adore. En fait j'avais envie en plus de m'acheter des pulls, c'est vrai. Il y a des jours où on n'a pas envie de s'habiller, où on dit ah vas-y là t'enfiles un pull, ben c'est vite fait, t'as pas besoin de... Il est agréable et tout pardon, et t'es bien habillé même si t'as la flemme, en fait ça reste un beau pull et c'est trop cool. Ensuite le dernier, donc le voici, le blanc, donc basique pareil. Le petit logo par contre cette fois-ci en bleu marine. Et voilà le blanc, on adore, c'est trop beau, c'est trop classe. Alors désolée, je sais pas ce que j'ai trafiqué, je pensais que l'appareil photo c'était éteint. Mais enfin éteint, que la caméra avait coupé genre en mode film, donc je sais pas ce que j'ai fait. Bref, c'est pas grave. Donc en fait ça tournait bien, donc bref, voilà. Donc le pull blanc, trop top. Ensuite, on passe à un autre magasin. Donc en fait, une fois j'étais avec ma mère, on est allé chez le magasin 1-2-3, donc maintenant ça s'appelle Maison 123. C'est un magasin, on peut dire ouais, truc de femmes, de vieilles, machin. Enfin, moi, enfin, je voyais le truc comme ça avant, je pensais pas que c'était. Mais ils ont des articles sympas. Donc j'ai acheté deux petits hauts. Donc ils étaient à moins 50, je crois. Enfin, en gros, c'était 35 € le haut. Donc je me suis acheté un chemisier comme ceci. Donc un peu style effet jean, quoi, on dirait. Et donc j'aime bien les manches, les petits boutons comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est un petit haut
Donc je sais pas si on se rend pas trop compte si quand je monte comme ça, je sais pas. Donc c'est un petit chemisier. Et après on peut l'attacher comme ça en mode cravate, là vous savez, les petits avec les, on fait les nœuds là, machin. Donc pareil, c'est un petit haut, un petit chemisier, voilà, je me dis, enfin pour l'automne, l'hiver, c'est sympa. Et puis voilà, donc c'était pas cher, 35 euros, donc j'ai dit vas-y, c'est cool. Ça fera toujours un petit haut, un petit chemisier, voilà, c'est... Je trouve que c'est facile, après tu mets ça avec un petit pantalon, machin, une petite jupe ou quoi, enfin... Ça fait vite un peu classe. Et j'ai acheté un autre haut. Là-bas, c'est celui-ci. J'aime beaucoup. Donc, c'est un haut blanc. Donc, ça fait un peu style chemisier. Pareil, en fait, le devant, c'est matière un peu chemisier, tout ça. Et derrière, c'est matière... c'est du coton. Donc, voilà. Et ce que j'aime beaucoup sur ce haut, c'est les manches. Donc, qui se nouent comme ça. Enfin, je trouve que c'est assez original. Donc, les manches comme ceci. Et j'adore, enfin vraiment devant je trouve ça trop beau quoi, enfin j'aime beaucoup. Puis c'est blanc, hein, c'est pas du noir, ça change. Et je trouve qu'il fait classe, enfin franchement j'adore, il est hyper agréable à porter, je l'ai déjà porté celui-là. Franchement trop trop top, j'adore. Ensuite, je vous montre un article que mon chéri s'est acheté donc chez Vicomte. Donc Vicomte c'est un magasin que l'on aime beaucoup. Alors avant il était à la vallée, maintenant il n'y est plus depuis quelques mois, si ce n'est un an. Et on aimait bien, en plus on avait un ami à l'époque qui travaillait là-bas. Et c'est vrai que Vicomte, ils ont vraiment des beaux polos, des belles chemises. Et, enfin, je sais que c'est un magasin où on aimait aller. Et même qu'on avait un cadeau à faire ou quoi, je suis désolée avec mes cheveux. Qu'on avait un cadeau à faire à un garçon, on savait pas trop, des fois c'est difficile de trouver un cadeau pour un homme. Donc on allait chez Vicomte, on était sûr de trouver soit un beau polo, soit une belle chemise, donc voilà. Et puis toujours coloré, enfin c'est trop, enfin j'adore. Donc l'autre fois on était sur Paris avec mon chéri et on s'est garé, puis devant une boutique Vicomte, donc on a dit bah vas-y viens, on y va, on va voir. Et là, en plus on cherchait une veste pour lui, une veste... ouais, quand il fait frais un peu, même en été ou quoi, ou pour la demi-saison, une petite veste. Donc en jean, on partait pour une veste en jean, on est bon, on se trouve autre chose, mais voilà, un peu dans l'esprit, petite veste comme ça, pour les soirs où il fait un peu frais, l'été, machin. Et là, on est tombé sur cette petite veste d'amour. Donc, je vous la montre. Donc, elle est très claire, donc ça fait un peu style jean délavé. Les manches, j'adore, parce que regardez. Est-ce que ça va bien voir? Donc les boutons... Fuchsia, pardon, j'ai bugué. Ici, ils sont bleus. On adore, franchement. Donc pareil, enfin, c'est une couleur que je déteste habituellement. Déjà, les jeans que cette couleur, j'ai envie de vomir à chaque fois. Je déteste. Mais puis même, c'est pas une couleur que j'aime. Moi personnellement, pour moi, j'aurais jamais acheté une veste de cette couleur-là. Mais bon, pareil, comme je dis, mon copain, comme il est noir, je veux qu'il mette de la couleur. Même lui, il kiffe la couleur, ça le fait ressortir. Enfin, j'adore, hein, vous l'aurez compris, je suis fan de mon mec, hein, d'accord. Non, je rigole pas, je le trouve trop beau. Et en plus, enfin, avec la couleur, encore plus, quoi. Enfin, il va voir la vidéo, je pense qu'il va kiffer ce que je dis, là, non, mais n'importe quoi. Enfin, bref, je suis tarée. Donc, quand il l'a mise, franchement, mais j'ai dit, mais aïe aïe aïe, c'est une tuerie. Et elle lui va tellement bien en plus, mais oh là 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 là. Enfin bref, je kiffe, je suis fan. Elle lui va trop bien, vraiment. Après, il a un beau corps, donc c'est vrai que souvent quand il met un truc, ça ressort bien. Sauf que quand on a un corps, quand on est bien foutu, bah forcément les habits, ils ont encore plus de gueule, quoi. Mais ouais, non, enfin franchement, il la porte tellement bien que... Non, j'adore. Bref. Donc, à la base, elle valait 190 euros. Et on l'a payé 115 euros. Voilà. Donc, voilà, 115 euros, pareil, c'est une veste en jean. Qui va... c'est une Vicomte, déjà. Donc, c'est un beau produit. Et c'est une veste qu'il va pouvoir mettre pendant... pendant longtemps, puis après, même voilà, les détails, les boutons, je pense pas qu'on s'en lasse, quoi. Après, même le petit logo Vicomte et tout, non, franchement, j'adore, elle est trop canon, voilà. Donc, s'il y a des mecs qui passent par là, Vicomte, je vous le recommande. Ensuite, ça touche à sa fin, hein. On va passer au dernier magasin, donc,
Bah, la semaine, ouais, j'y suis passée la semaine dernière en fait. À la base, je voulais aller chez Bâche pour me trouver une robe parce qu'en juin, bah, j'avais acheté une robe là-bas. Et c'est la Pipa pour ceux qui connaissent. Voilà, enfin, une superbe robe. Et il y avait une autre robe qui me plaisait grave. C'est, tout le monde l'a cette robe, hein. Toutes les filles qui sont allées chez Bâche l'ont achetée. C'est une robe bleue, longue, avec le dos nu et des paillettes comme ça. Enfin voilà, des lignes de paillettes et tout. C'est une robe, enfin je pense que sur Insta ça on a vu plein avec. C'est la robe, enfin je la trouve tellement belle. Et bon moi quand j'étais allée acheter l'autre, la Pipa, bah déjà elle coûte 300 balles. Donc même si l'autre elle me faisait de l'œil... J'ai pas acheté l'autre quoi, j'avais pas envie de mettre 600 balles non, dans des robes, c'était pas... Voilà, la Pipa il me la fallait, mais l'autre non, c'était... Voilà. Donc j'ai dit vas-y laisse tomber, j'attendrai les soldes. Donc je l'ai acheté en juin, la Pipa quand même, enfin je me suis dit les soldes c'était la fin du mois. Allez. Et bah, sauf qu'elle n'était plus hein, malheureusement. Et donc tant pis, bah, je suis repartie dégoûtée, mais je dis bon vas-y. Je vais aussi aller chez Maje, parce que pour moi, les magasins que je kiffe hein, habituellement, donc c'est IKKS. Donc Maje j'adore, IKKS, Bâche, voilà, c'est vraiment les trois magasins où je vais le plus, voilà, c'est les trois boutiques de marque que j'adore. Alors IKKS, bizarrement c'est la première fois depuis des années que je n'y vais pas, et en période de soldes ou ventes privées, j'ai ni fait les ventes privées ni fait les soldes, donc c'est assez étonnant. Après j'avoue que je manquais de temps et bah, IKKS le plus proche il est quand même assez loin, alors soit il faut aller sur Paris, soit il faut aller à Aéroville. Mais j'avoue que j'avais la flemme. Et puis même, enfin, pas le temps d'aller là-bas. Le Val d'Europe, c'est pas très loin. Donc on peut y aller facilement, même si voilà, t'as une heure de temps, tac-tac. Aéroville, faut du temps pour y aller, faut du temps pour revenir et du temps pour être là-bas. Donc bref, je n'y suis pas allée. Ça fait bizarre, mais je me dis que j'ai loupé des trucs de ouf, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et donc je n'y suis pas allée, mais bon, c'est les magasins où je vais habituellement. Voilà, ma garde-robe, elle est essentiellement constituée de ces trois boutiques-là. Donc bah voilà, après chez Bâche, je suis allée chez Maje et là chez Maje j'ai trouvé 4 pièces. Donc alors c'était pas prévu. Je voulais faire des affaires chez Maje, donc j'ai dit vas-y je vais voir quoi. Puis comme j'avais pas trouvé là-bas, j'ai dit vas-y je suis énervée, je veux trouver ailleurs. Et je voulais. Il y a des jours où t'as envie d'acheter un truc, tu dis vas-y, faut que je reparte avec un truc pour te sentir bien, mieux. Enfin j'avais envie d'acheter un truc, de rentrer avec un truc, donc je suis allée chez Maje. Bref. Donc chez Maje, j'ai trouvé 4 pièces, donc c'était pas forcément des besoins vitaux, hein, mais il y avait un truc, un des articles que je vous montrerai à la fin, que j'avais vraiment envie, que j'avais vraiment besoin, mais le reste, bon, c'était du kiff. Donc j'ai acheté tout d'abord ce pull, donc c'est un sweat avec une matière trop douce, franchement j'adore. Donc un sweat basique noir avec un gros papillon au milieu, voilà. Donc bon, c'est un truc, donc c'est un sweat, c'est du basique. Après, sauf que le petit détail du papillon, c'est sympa. En fait, je n'ai pas de sweat, clairement, de beau sweat. Donc j'en voulais un. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah vas-y, allez, je le prends. Donc en plus, à la base, il était donc prix normal, donc 175, prix Laval est 105. Et moi, je l'ai eu à moins 50. Donc 52 et des brouettes quoi. Donc voilà, en plus pareil, il taille super bien, il pas trop grand ni rien, enfin il est canon. Donc je l'ai pris en taille 1. En fait je crois que j'ai tout pris en taille 1, tous les trucs. Franchement ouais, c'est bien parce que chez Maje, bah, taille 1, tu t'es pas trop déprimé, tu vois. T'es pas en mode vas-y je prends taille 3, parce qu'il y a des magasins où je dis punaise, donc j'ai trouvé une taille de ouf. Mais là non, enfin je trouve que... Ouais ça, voilà, bref. Donc ce petit sweat que voilà. Ensuite j'ai trouvé cette petite chemise. Donc alors là je sais pas si elle rendra bien. Donc c'est une chemise bleue à rayures. Donc là c'est des rayures différentes que là et que là. Les petites manches pareil comme ceci, on adore. Et en fait elle se cintre. Donc je l'ai achetée parce que en fait j'ai envie là, parce que j'ai beaucoup, je sais que j'ai beaucoup acheté de chemisiers ou des trucs, même chez Bâche tout, enfin des belles chemises machin, mais c'est ample. Et bah déjà quand t'es ronde, bah prendre du large, ça t'élargit encore plus, c'est pas bien.
Et quand t'as une forte poitrine, encore plus, parce que du coup ça fait avancer le truc, enfin bref. Et du coup, t'as pas envie de paraître, t'as pas envie de passer, enfin de paraître plus grosse que tu ne l'es déjà, quoi. Mais il y a des habits où non, c'est inévitable, quoi. Tu mets ça, on dirait que, enfin bref, c'est relou. Donc là j'ai dit vas-y, je vais pas, mais il y a des hauts qui me plaisaient grave, mais j'ai dit non, vas-y, ça fait large, non, j'ai pas envie, je veux changer. Donc voilà la chemise, donc là je l'ai recintrée, donc en fait c'est une chemise qui se cintre au niveau de la taille. Donc c'est trop canon, je l'aime trop, elle est trop classe, et puis pareil, enfin, je l'adore. Franchement, elle est trop belle, et puis le fait qu'elle se cintre comme ça, enfin, j'adore vraiment beaucoup, et quand même tous les détails, enfin, je la trouve très jolie, en plus c'est joli, c'est coloré, c'est frais, c'est canon. Puis je pense que voilà, je peux la mettre là, pour des petites soirées, enfin je peux la mettre été, hiver, il n'y a pas de saison pour ce genre de truc, donc c'est top. Ensuite, j'ai acheté un kimono. Donc un kimono noir que voici. Avec des petites... c'est pas des bandes, hein, des petites coutures vertes comme ça. Donc regardez. Donc un vraiment effet... enfin, les kimonos asiates, quoi. Hein. Et donc pareil, un kimono qui se cintre ici. Comme ceci, enfin franchement je trouve ça trop classe. Et puis pareil, enfin, il dégage bien le cou et tout. Non franchement, bon ça je l'ai pris parce qu'il était à moins 60. À la base, voilà, c'était pas l'achat auquel j'avais pensé. Mais je me suis fait, ça fait toujours un beau haut classe en plus. Et bah moins 60 franchement, ah oui je vous ai pas donné le prix de la chemise. Donc je vous donne déjà le prix de celui-là. Donc il était à la base prix conseillé 250, donc waouh quoi, c'est déjà pas mal, enfin c'est un beau produit. Prix la vallée 162,50 et moi je l'ai eu à moins 60, bah ouais je l'ai payé 65€. Donc franchement il est canon, je trouve ça trop classe, quand même pour sortir et tout, enfin il est trop beau. Et du coup je donne le prix de la chemise... donc à la base 175... Après 113 et je l'ai eu à, je crois, moins 50, donc, ou moins 40, je sais plus. Mais bon, ça vaut le coup. Hein. Et vous voyez, à la base des prix, enfin là, 250€, bah ouais, ça peut faire mal de dire, vas-y, t'achètes un kimono 250€. Et là, au final, ouais, 65, donc c'est plus qu'une affaire. Donc c'est pour ça que j'ai dit, vas-y, je peux pas passer à côté. Et en plus, c'est quelque chose que je vais mettre et remettre et re-remettre. Donc pas de regret. Et le dernier achat, c'est mon petit Perfecto en cuir noir d'amour. Donc c'est un Perfecto qui est assez court, hein, et il a des petits détails comme ça ici là. Oh non mais j'adore. En fait je recherchais un Perfecto, donc j'ai craqué sur un là-bas, mais il était gris anthracite, donc bref, enfin, j'ai adoré la couleur, même si là-bas j'en voulais un noir, mais il ne restait que des tailles 36 et je rentrais même pas un bras quoi, enfin c'est... En fait chez Maj, je trouve qu'au niveau des bras c'est grave serré en fait. Donc c'est impossible. Et puis bon, même j'aurais même pas pu le fermer. Donc celui-ci je l'ai pris en taille 40. Donc tout le reste, donc, ouais, pour les tailles c'était tout taille 1. Et par contre sa veste, le Perfecto, c'est une taille 40. Et même encore dans le 40, je peux pas mettre un gros pull en dessous quoi, hein. C'est vraiment, je mets un pull mais pas un... Le sweat il passe pas dedans je crois, hein. Les manches sont assez fines. Et puis là, déjà, ils passent, ils disent, mais c'est quoi cette barjo là? Qu'est-ce qu'elle fait? À qui elle parle? Et donc, du coup, ouais, mon taille 40, donc je peux le fermer, nickel, machin, les manches. Mais voilà, les manches, c'est vrai que c'est assez, parce que, ouais, assez étroit. Donc bon, je suis contente, j'ai trouvé quand même une taille qui m'allait. J'avais peur au début, j'ai dit, mais c'est pas possible, je vais aller jusqu'à quelle taille comme ça? En plus, il n'y avait que 36, 38, 40. Donc je dis, si le 40 me va pas, bah tant pis, je l'oublie. Alors, pour le prix. À la base c'est un Perfecto qui vaut 450€. À la vallée il le vendait à 292,50€. Et je crois que je l'ai eu à moins 50 ou moins 40. Mais je l'ai payé 100 et quelques euros. Mais franchement, enfin voilà, les Perfecto en cuir, j'adore l'odeur, punaise. Enfin c'est un Perfecto, ça se démodera pas. Les cuirs noirs, ça se démode pas. Après bon, au début, je me disais, est-ce que je vais pas m'en lasser de ça? Mais je trouve que voilà, ça fait un style, ça fait un charme et à ce Perfecto. Et au moins, bah, je suis sûre de pas retrouver le même chez tout le monde, sur tout le monde. Donc c'est cool, il est assez original et c'est vrai que j'aime bien avoir des choses un petit peu originales, voilà. Hein, c'est sympa, ça change et c'est fun, quoi. Donc voilà pour mes achats.
de solde d'été. Donc c'est pas forcément que des choses d'été que j'ai acheté, hein, c'est des choses que je vais pouvoir mettre été comme hiver, hein, le Perfecto, bah voilà, petite soirée l'été il fait froid, tu le mets, l'hiver c'est pas mal, enfin en fait c'est Perfecto, je l'adore parce que je vais pouvoir grave le mettre avec plein de trucs, avec des robes, ça va être trop beau, parce qu'à la base je cherchais un Perfecto pour mettre avec des robes, donc je l'ai trouvé avec des pantalons, ça va le faire aussi, enfin franchement je suis hyper contente de mes achats, donc... Donc voilà, c'était mon petit haul, enfin petit oui et non, parce que quand même, il y a quand même des choses, voilà, il y a quand même des choses dans ce haul. J'ai beaucoup parlé, et là je pense que on est en train de faire 40 minutes au total. Je pense que je vais essayer de couper des trucs, des machins, bon enfin je sais pas. Au pire ce sera long, tant pis, hein. On apprend, de toute façon c'est le premier haul, voilà, on débarque dans ce... Dans ce style de vidéo, voilà. Là, on va essayer de vraiment continuer à faire des vidéos un peu plus face caméra, parce que c'est sympa. Alors, c'est pas hyper facile, je trouve. Parce que j'ai l'impression que je me répète, que je pars trop loin dans mes délires à raconter ma vie, nanana. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, bon, c'est le premier. Il faut un début à tout. Je pense qu'après, ils seront plus courts, un peu plus concentrés, condensés. Enfin, bref. Là, c'est un peu éparpillé, donc bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous mettrai le maximum de références en barre d'infos, comme ça si jamais il y a des produits que vous pouvez retrouver, qui vous ont plu, etc. Puis au moins vous les visualiserez mieux, là je vous ai montré comme ça. Après c'est vrai que porter, bah déjà ça rend pas de la même manière. Et puis là, c'est un peu à l'arrache, cadrage approximatif, tout ça, enfin bon. Mais en tout cas voilà, c'est cool parce que je vous ai montré, moi j'ai en même temps, bah, ça m'entraîne à faire des hauls, à faire d'autres styles de vidéos. Donc voilà, ouais, je pense que du coup, bah, je vous ai tout montré. Il me semble pas avoir oublié de trucs. Au pire, c'est pas grave. Hein. Je vous ai montré l'essentiel de mes habits et ceux qui me plaisent le plus aussi. Voilà, voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous n'avez pas trop galéré dans ma vidéo. Et bah, écoutez, on se retrouve au plus vite pour de nouvelles aventures. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!